Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo qui vous plonge dans la peau d'un être marin plutôt cool, intelligent et super doué pour la nage, le dauphin. Oui, je parle bien de ces créatures qui aiment vivre en groupe, communiquer en émettant des sons, et qui sont très curieuses et intriguées par leur environnement. Maintenant, imaginez-vous dans l'eau, entouré d'une bande de ces joyeux mammifères marins. Vous vous retrouvez dans leur habitat naturel, dans des eaux chaudes et peu profondes, où les dauphins aiment passer du temps. Ils sont si sociables qu'ils préfèrent passer du temps en groupe, plutôt que tout seuls. Vous voyez, même les dauphins savent que c'est plus sympa d'être accompagnés de ses amis. Parlons maintenant de leur alimentation, car les dauphins sont de vrais prédateurs redoutables. Ils aiment chasser des poissons, des crustacés, et même des calamars. Ils sont tellement doués pour la chasse qu'ils peuvent même piéger leur proie en utilisant leur intelligence et leur coordination. Et attention, quand ils chassent en groupe, Mieux vaut ne pas être un petit poisson. Mais ce n'est pas tout, les dauphins sont également très intelligents et joueurs. Ils peuvent comprendre des commandes simples, résoudre des problèmes et s'amuser avec des objets. Ils sont aussi très curieux et adorent explorer leur environnement. Et ce n'est pas rare de les voir sauter jusqu'à 6 mètres hors de l'eau pour admirer le paysage. Dites-moi, ce n'est pas incroyable ça En bref, les dauphins sont vraiment des créatures fascinantes, intelligentes, sociales et adaptées à leur environnement. Ils ont beaucoup à nous apprendre et méritent toute notre attention et notre respect. Nous allons plonger encore plus profondément dans le mode de vie de ces créatures marines fascinantes. Tout d'abord, parlons de leur habitat. Les dauphins vivent dans les océans du monde entier, mais ils aiment particulièrement les eaux chaudes et peu profondes. Ils se retrouvent souvent près des côtes et des lagons, où ils peuvent socialiser et se nourrir en même temps. Imaginez-vous nager dans une eau turquoise, entourée d'une bande de dauphins sautillants. C'est vraiment un rêve devenu réalité. En parlant de nourriture, les dauphins ont un régime plutôt varié. Ils aiment manger des poissons, des crustacés et des céphalopodes comme les calamars. Mais savez-vous qu'ils peuvent aussi manger des méduses Oui, oui, vous avez bien entendu, ces animaux gélatineux et gluants qui flottent dans l'eau. Et le plus étonnant, c'est que les dauphins peuvent manger jusqu'à 30 kg de nourriture par jour. Ça, c'est un vrai appétit de dauphin. Maintenant, parlons de leur comportement. Les dauphins sont vraiment des animaux sociaux, qui aiment passer du temps en groupe. Ils sont également très joueurs et curieux, et peuvent s'amuser avec des objets ou même des bulles d'air. Et savez-vous que les dauphins peuvent communiquer en émettant des sons Ils ont leur propre langage et peuvent même reconnaître les différents membres de leur groupe. C'est comme si vous étiez en train de parler avec vos amis, mais en utilisant des clics et des sifflements. Enfin, les dauphins sont des créatures très intelligentes et adaptatives. Ils sont capables de s'adapter à leur environnement en changeant leur comportement, leur alimentation et même leur mode de communication. Et ils peuvent aussi s'adapter à la présence humaine, en apprenant à interagir avec les bateaux ou les plongeurs. En somme, les dauphins sont vraiment des créatures fascinantes avec leur propre personnalité et leur propre mode de vie. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la relation entre les dauphins et les humains. Les dauphins sont connus pour leur capacité à interagir avec les humains de manière amicale et curieuse. Ils ont souvent été observés nageant près des bateaux, jouant avec les surfeurs et les nageurs, et même aidant les pêcheurs en les guidant vers des bancs de poissons. Cependant, il y a aussi des situations où les dauphins ont des interactions moins positives avec les humains. Par exemple, il y a des rapports de dauphins qui ont été pris dans des filets de pêche ou qui ont été blessés par des bateaux. Les scientifiques ont également étudié la communication entre les dauphins et les humains. Il y a des programmes dans lesquels les dauphins ont été dressés pour effectuer des tâches, comme aider les personnes handicapées à nager. Les dauphins ont également été utilisés dans des études scientifiques pour comprendre leur intelligence et leur comportement social. Les dauphins ont même été considérés comme des thérapeutes pour les enfants autistes, car leur présence et leur interaction peuvent aider les enfants à se sentir plus à l'aise et à communiquer plus efficacement. En fin de compte, la relation entre les dauphins et les humains est complexe et variée. Les dauphins peuvent être des compagnons amicaux pour les humains, mais ils sont également vulnérables aux activités humaines. En tant qu'êtres humains, nous devons être conscients de notre impact sur ces créatures fascinantes et faire de notre mieux pour les protéger. Nous arrivons à la dernière partie de cette vidéo, qui se concentre sur l'importance des dauphins dans leur environnement marin et comment les activités humaines affectent leur habitat. Les dauphins jouent un rôle crucial dans l'écosystème marin en aidant à maintenir l'équilibre des populations de poissons et en régulant la chaîne alimentaire. Les dauphins sont des prédateurs de haut niveau, ce qui signifie qu'ils se trouvent en haut de la chaîne alimentaire et se nourrissent principalement de poissons et de calmars. En régulant les populations de poissons, les dauphins aident à maintenir la biodiversité et l'équilibre écologique des écosystèmes marins. Cependant, l'impact des activités humaines sur l'environnement marin, telles que la pollution, la surpêche et le changement climatique, a un effet négatif sur la vie marine, y compris les dauphins. La pollution peut affecter la qualité de l'eau, réduire la disponibilité des aliments et entraîner des maladies. La surpêche peut réduire les populations de poissons, réduisant ainsi la quantité de nourriture disponible pour les dauphins. En outre, le changement climatique a un impact sur les écosystèmes marins, notamment en altérant les modèles de migration des poissons et en modifiant la température et la chimie de l'eau. Tout cela peut avoir des conséquences sur la santé et la survie des dauphins. Il est donc essentiel que nous prenions des mesures pour réduire notre impact sur l'environnement marin et protéger les dauphins et d'autres espèces marines. Cela peut inclure des actions telles que réduire notre utilisation de plastique, soutenir des pratiques de pêche durable et encourager la conservation des habitats marins. En fin de compte, nous avons tous un rôle à jouer dans la protection de ces créatures fascinantes et de leur environnement. J'espère que cette partie vous a donné une meilleure compréhension de l'importance des dauphins dans leur écosystème marin et de l'impact des activités humaines sur leur habitat. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur les dauphins. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans le monde de ces créatures fascinantes et que vous avez appris de nouvelles choses sur leur mode de vie, leur habitat et leur comportement. Les dauphins sont des animaux incroyablement intelligents et sociaux, qui jouent un rôle important dans l'écosystème marin. Il est important que nous prenions des mesures pour protéger leur habitat et réduire notre impact sur l'environnement marin. N'oubliez pas que vous pouvez aider à protéger les dauphins et l'environnement en adoptant des pratiques éco-responsables dans votre vie quotidienne, en soutenant des initiatives de conservation marine et en apprenant davantage sur les problèmes environnementaux qui affectent notre planète. Merci de votre temps et de votre attention, et à bientôt pour de nouvelles aventures. En cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, vous serez informé en temps réel de la sortie de nos futures vidéos. Ne manquez plus aucune vidéo de notre chaîne et découvrez toujours plus de contenu passionnant. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, et j'espère vous retrouver très bientôt sur notre chaîne Question Savoir.